Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés qu'il y a sur la mise à jour, sur la grosse mise à jour qu'on a eu aujourd'hui. Une grosse qui rajoute pas mal de trucs et qui rajoute des trucs chiants et des trucs pas chiants. Première arrivée, bon, parlons peu, parlons bien, c'est l'arrivée de Charlotte Lin-Lin. Lin-Lin Charlotte. Charlotte Oni, ça s'appelle Charlotte Lin-Lin. Elle s'appelait comment la première? Merde, elle s'appelait comment la première? C'est juste Charlotte Lin-Lin. Ok, ils ont mis le même nom. Charlotte Lin-Lin, ça c'est la première. La deuxième, Charlotte Lin-Lin. Ok. Bon, on peut voir que c'est à peu près le même design. Prometheus, c'est un peu mieux fait. Napoléon, bah il a pas la même tête, Prometheus. Ah, en vrai, je sais pas. Ah, c'était Zeus. Et Prometheus, c'était sur la gueule. Prometheus sur la gueule, c'était moche. Prometheus, du coup, voilà. Elle a des flammes carrément comme une séraphin. Il y a Héras qui est là. Napoléon, du coup, voilà. Charlotte Lin-Lin, on va pas, je vais pas la lire maintenant, je la lirai ce soir en live, n'hésitez pas à venir 20h30 et elle sortira demain en vidéo. Et voilà, Charlotte Lin-Lin, UR, empereur et dégâts. Dégâts, dégâts. Du coup voilà, ça c'est la grosse nouveauté, c'est Charlotte qui arrive dans les, dans la bannière, dans le jeu qui arrive et qui sort du coup vendredi la bannière. Deuxième information, je regarde juste ici, il n'y a pas. C'est la sortie, l'arrivée même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de skins. Il y a pas mal de skins qui sont sortis avec cette mise à jour. Ça, on avait déjà. Sanji. Le skin de Sanji, je vais cacher ma tête. Le skin de Sanji, du coup, qui est arrivé. Le skin de Nami. Pas mal de skins qui est arrivé. Le skin de Ace. Bon, Ace, roi des loups. Pas savoir pourquoi. Nami changeante. Et là, c'est quoi? Mariage sanglant. Ok. Buggy qui est arrivé. Captain Buggy. Captain Baggy et Captain Buggy. Genre, c'est ça le nom du skin. C'est fou quand même. Ah, le skin de Shanks. Tant attendu aussi. Le nom du roi. Bon, c'est très moche comme nom. Ok, le skin de Shanks. Zoro, on avait déjà. Jinbe qui est arrivé aussi. Navigateur. C'était par rapport au film Red. Barbe Blanche qui est arrivé. Le skin de Barbe Blanche. Utak, on avait déjà. Boulette. Et le reste, on avait déjà. Rai. Oh non, Rai, on l'avait déjà. Snake Man, on l'avait déjà, je crois aussi. Il était sorti. Perona King. Smoker! What the fuck? Smoker qui a un skin. Et oui, qui a un skin et qui est sorti. Je vais peut-être me l'acheter. Mais bon, à voir s'il coûte 100 balles. Ça sert à rien. Le vent, ça fait. En vrai, le skin est stylé. Du coup, voilà. Ça, c'est l'arrivée de tous ces skins qui seront obtenables, malheureusement, que dans les skins. Dans les trucs de. Dans les trucs chiants, là. Les légendes arrivent ou. Non, là, là. C'est chiant, ouais. Mais ils seront obtenables que là. Ou sinon, peut-être en achetable, mais ça coûte 110 balles, quoi. C'est pas trop renta. On a un truc qui a été rajouté. Ça, j'ai pas trop compris. Mais on m'a dit que c'était dans les traversées. Has been add. Only have a dispatch purple on above 20 task 25 time. Je sais pas. Il y a un truc avec les tâches, je crois, violettes. Mais j'ai pas trop compris ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais pas si c'est par rapport à ces tâches là ou pas. Ah, mais attends, mais ça reste. Ça reste en haut. Mais attends, mais ça a été rajouté. Ça change direct. Et quand on rafraîchit, c'est peut-être ça. Quand on rafraîchit, ça passe en bas. Il y a un petit changement. Je sais pas si c'est fait exprès ça. Peut-être plus de chances d'avoir du violet. Je sais pas. Je comprends pas. J'avoue que je comprends pas là. Ah, du coup, il y aura peut-être un bouton pour prendre toutes les récompenses. C'est peut-être ça le truc. C'est ce qu'on dit sur le Discord. C'est ce qu'une personne a dit sur le Discord quand il a vu ça. C'est que on pourra prendre. Il y aura un bouton pour tout prendre d'un coup au lieu de prendre un par un. Après, je sais pas si vraiment c'est ça. Avoir un above task 25 times. Je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est ça. À voir, on fera des tests. Mais en tout cas, il y a eu un petit changement où quand tu prends maintenant, ça passe pas en dessous, mais ça reste à la même hauteur. Du coup, ça. Ouais. Autre chose, grosse mise à jour, ça c'est chiant, ouais, c'est sur les bateaux. Vous avez vu, j'ai monté 5 étoiles tout de la droite et je comptais monter 5 étoiles à gauche et finir. Ouais, putain de 6 étoiles qui est sorti. Oh, il faut le 5, il faut que 5 fois. Ça va alors, il faut que 5 fois et des berries. En vrai, ça passe. Non, c'est en vrai, c'est hyper cher. C'est hyper cher de monter. C'est hyper cher pour monter déjà 5 étoiles, mais putain. C'est hyper cher. Et du coup, là, il y aura pas mal de berries. Peut-être il faudra 5 à chaque fois. Ah, je sais même pas. En vrai, je sais même pas comment ça va marcher. 5 à chaque fois, mais par contre, ça rajoute combien de PV?
14 160, 30%. Au lieu de 25, mais à la fin tu vas avoir du 100% en fait. 50% plus 50%. Ça va être énorme. 50% de PV et d'attaque en plus. Ça va être énorme, il faudra vraiment focus ça. Hein. Je sais pas ce que. Je sais pas c'est quoi après. Genre le plus. Mais tu peux aller jusqu'à 10 étoiles maintenant. Et je sais pas combien ça coûte, mais. Oh. En vrai, c'est. Ils ont rajouté ça peut-être un peu tôt. Comme je comptais faire les artefacts après, et bah voilà. Et du coup voilà, c'est ça les gros, la grosse mise à jour, les grosses nouveautés. Il n'y a rien de plus en vrai, je pense. Il y a l'air de pas avoir de choses en plus. Bon après c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà énorme. Plein de nouveaux skins, nouveaux persos et bon, les changements de... Des items bateaux qui peuvent aller jusqu'à 10 étoiles maintenant. Après il y a des petits changements sur du coup traversée que j'ai pas tout compris. Et du coup Quick Rush à skip pour l'aventure vous pouvez à skip passer maintenant je pense. Quick Rush ability has been added into aventure. Du coup on peut rush l'habilité, je sais pas, j'ai pas tout compris mais bon voilà. Quelques héros qui ont été fixés et des bugs fixés. Du coup voilà, c'était la petite mise à jour, une petite vidéo pour vous parler des nouveautés de la mise à jour. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir en live ce soir pour qu'on lise Lin Lin. On voit les animations en avant-première. Et il y aura un pack aussi. J'ai mon pack à faire, du coup voilà, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à venir, lien en description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À demain pour les vidéos de Lin Lin pour ceux qui veulent attendre demain sur YouTube. Et salut tout le monde.